Précédemment, dans Les Sims 4, Eric Lafleur. Ma machine à astroparticules devrait permettre de créer un champ magnétique prenant naissance dans un fluide électrostatique en écoulement intermédiaire. Et à la une de l'actualité en ce 20 avril 2019, la commune d'Oasis Springs baigne dans l'horreur. Il est temps de passer aux choses sérieuses, Eric. Je veux un chiotte derrière les barreaux. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de subir une invasion? Des gens vont mourir si ça continue. Une catastrophe se prépare. Nous ne sommes pas les seuls dans ce trou paumé, bande de cons. Wesh, Seigneur Moll, la planète Terre est en approche. Quelles sont vos instructions? Pendant que nous entrons en orbite, mettez le cap sur Oasis Springs. J'ai une mission à vous confier. Me against the world. Nothing to lose. It's me against the world, baby. I got nothing to lose. It's just me against the world. Fucking game. Me against the world, baby. More bodies being buried. I'm losing my homies in a hurry. They relocating to the cemetery. Got me worried, stressing my business worried. The question is, will I live? No one in the world loves me. I'm headed for danger. Don't trust strangers. Put one in the chamber whenever I'm feeling this anger. Don't wanna make excuses, but this is how it is. What's the use unless we're shooting? No one notices the you. It's just me against the world, baby. Days of our lives. It's me against the world. Driving me, trying to survive. Me against the world. Ah, Marie-Jeanne, douce Marie-Jeanne, ah, qu'est-ce que j'aime ton odeur. Bien, tout est en place. J'espère que ces petits foutriquets vont pointer leur museau. Ah, à moins d'avoir du cirage dans le ciboulot, il me semble bien avoir détecté quelque chose. Mission accomplie, si je puis dire. Bradley? Bradley, chérie, tu es là? Bon sang, mais c'est pas vrai! Où est-ce qu'elle a bien pu passer? C'est vrai qu'on se prend le chou de temps en temps, elle et moi, mais tout de même... Ah, Bradley, j'espère que je n'ai pas commis une erreur. Mais, arrêtez de tricher. Alors, commissaire, du nouveau? Non, Bradley n'est pas là, mais c'est tout à fait normal, hein. Elle est sûrement partie à une dégustation de saucisses vegan avec son père, ou bien elle est partie faire du shopping avec Rihanna. Vous savez comment c'est, les femmes, n'est-ce pas, monsieur Achiot? Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre coopération. Je préfère vous avoir à l'œil ici, plutôt qu'en prison. Rester ici me convient également. On m'a dit que vous faisiez d'excellents rums. Est-ce bien vrai? Oh, bordel! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah... Finalement, je me passerai bien de salade. Laisse-moi te dire que tu as tort, ma chère Bradley. Comme tu sens. C'est coquet chez toi. Et très bien rangé en plus de ça. Ça change d'Eric. Écoute, je ne veux pas t'ennuyer avec mes problèmes, surtout que tu as toutes les raisons de m'en vouloir étant donné que je t'ai viré comme un malpropre. Non, tu l'admets enfin. Eh bien... Je te dis bravo. Comme quoi tout le monde peut changer. Mais viens plutôt voir par ici, j'ai un truc à te montrer. Tu vois ce tableau? Il est divisé en quatre parties. Il représente les indécisions de l'homme, mais ses ambitions aussi. Et ses pires secrets. Tu veux connaître les miens de secrets? Si ça peut te faire plaisir. Spécialité belge au dîner! Un vrai délice. Putain, c'est dégueulasse. Pété! Tu viens pas manger, pété? J'ai comme un mauvais pressentiment. Dépêche-toi qu'on est en train de t'attendre, là, Oui, oui, j'arrive. Dans un instant. Et si je devais intervenir?
vie de ma mère, je l'ai trouvé. Wesh, ça va chauffer. Tu dis encore n'importe quoi. Ah, mais je te garantis que non. Si tu bois de la Corona, tu vas choper le coronavirus. Si tu bois de la Heineken, c'est beaucoup moins probable. Bon, même si la Corona tue, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Pas pressé. Mais y a plus de lumière. C'est quoi ça encore? Ces fenêtres sont blindées, indestructibles. Tu le promets? Bordel de merde! Oh, salaud, je me suis fait arnaquer! On va pas s'en sortir! Oh, c'est bien! C'est pas vrai! Au secours! Je ne veux pas mourir! S'il vous plaît! J'ai une idée! Wesh! Nique sa mère, les putains de voleurs de chacal de sa race! Et voilà, nous y sommes. Tu veux me faire rentrer là-dedans? Pourquoi faire? Tu ne crains rien, Bradley. Joshua, tu comptes pas me violer, hein? T'es pas un de ces psychopathes, pas vrai? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si j'avais voulu te violer, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Ouais, bref. Dans ce cas, j'y vais alors. Waouh, cet endroit est gigantesque! C'est quoi toutes ces vieilleries? Les vestiges d'une civilisation éteinte, probablement. Un bain ne serait pas de refus pour ce délicieux chien. C'est magnifique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est comme si on se trouvait dans un autre monde, en dehors du temps. C'est incroyable. Cet endroit est l'un de mes plus grands secrets. Bradley, si je t'ai amené ici, ce n'est pas un hasard. J'ai des choses à te révéler. Es-tu prête à les entendre? Mais oui, carrément! Arrête de me faire languir! Maintenant que tu as commencé, tu ne peux plus faire marche arrière. Je veux tout savoir, Joshua. Comment as-tu découvert cet endroit fabuleux? On se croirait dans un autre monde ici. C'est complètement fou. Un autre monde, c'est à peu près ça. Les joyaux que tu vois, ils attirent les convoitises. Ils ne sont pas originaires d'ici. Nul ne sait comment ils ont atterri là. Les usines d'Oasis Springs, elles ne produisent pas de boissons gazeuses, comme essaie de faire croire le maire. En vérité, elles extraient l'énergie qui réside dans ces diamants. Cette énergie est très particulière. Quoi? Mais enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, comment serais-tu au courant de toutes ces choses, au juste? Je ne suis pas sûre de... Oui, je comprends. Et j'ai bien peur de devoir t'en dire plus. Allez vous mettre à l'abri avec les autres, commissaire. Ça ne sert à rien de rester ici. La zone est sous contrôle. Ma maison à 200 000 simplouz, partie en fumée. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai plus rien maintenant. C'est peu de le dire. Mais au moins, vous êtes en vie. On a bien failli laisser notre peau. Waouh, c'est dingue! Comment vous avez fait? Pour pas cramer tous les trois? Il y a un bunker sous la maison d'Eric. Le type qui nous a tiré dessus, il avait un arsenal digne d'une armée. Waouh, quelle histoire! Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on l'a retrouvé gisant au sol, sans connaissance. Ce salopard a dû être surpris par la détonation. Bien fait pour lui. À présent, il faut qu'on sache ce qu'on va faire du patron, tu crois pas? On peut pas le laisser tout seul! Faut pas que l'un d'entre nous l'héberge! T'imagines dans quel état de choc il est? Si tu veux, je le ramène chez moi. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. On a besoin de toi, faut que tu assures à sa place, Patrick. Enfin, ce n'est qu'une suggestion. De toute façon, je m'en balèque.
Je suis déterré à me parer d'ici. Mais si le patron me trouve, je suis grave dans la merde. Il va me tuer. On fait chier, j'aime pas être de nuit, moi. Ouais, j'ai un moyen d'avoir un kebab ou quoi. J'ai la dalle. Ça va, bien joli casque. Wesh cousin, en vrai je m'en bats les couilles du kebab. Et je m'en fous de savoir qui c'est qui m'a attaqué par derrière, c'est pas ça le plus important. La vérité, la vie de ma mère, c'est qu'on est tous dans la merde maintenant. Aussi bien toi que moi. Tu comprends? Bon, à rien. Si c'est comme ça, je vais m'en occuper seul. That's right. I know it seems hard sometimes, but remember one thing. Through every dark night, there's a bright day after that. So no matter how hard it gets, stick your chest out, keep your head up, and handle it. Thank you.